Jeudi à ce dimanche 25 juin, moi salut Zobim et mon content pour commencer avec vous pour nous capables d'étudier ensemble une portion dans l'étude semaine. Songez ça, nous avons un nouveau trimestre, nous avons l'autre guide d'études. Et thème que nous avons pour nous développer ensemble pendant tout trimestre, c'est l'épître aux Éphésiens. Mais semaine ça, nous avons étude numéro 1 et thème c'est Paul et les Éphésiens. Avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi, qui c'est dimanche 25 juin, à nous prier bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que nous-mêmes nous pas espérer. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que nous-mêmes nous pas prévoir que tu as fait. Mais comme on sait bon Dieu, on toujours étonné nous à travers ça que tu as fait pour nous. Merci pour plein que tu as fait chaque jour pour capable instruire nous à travers parole. Jeudi, nous venons pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons au Dieu qui a nos esprits qui clair, comme ça nous va discerner parole, nous va comprendre et puis mettre en application. Fais grâce, bénis nous, sauvez-nous. Nous pas de mérite, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour ensemble d'efforts qui ou même ou fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu et la parole de Dieu surtout à travers guide d'études de l'école du sabbat. Mais toujours songez, chaque fois fini étudier plaisir, c'est encourager ou partager étudier avec entourage ou pour faciliter l'autre monde capable étudier parole bon Dieu. Si vous quoi abonner ensemble avec plateforme nous, n'a doit faire ça bien rapide. Allez sur Facebook, vous tapez ta parole est une lampe, vous abonner ensemble avec nous et sur YouTube, vous tapez Anderson Ducasse, eh bien vous abonner et comme ça chaque fois nous partager une nouvelle étude ou une possibilité. Et bien pour capable et bien garder tendez et apprendre parole bon Dieu davantage. Et bien ce maintenant Jacques nous connaît nous avons étude numéro 1 Paul et les Éphésiens verset à mémoriser nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Texte pour nous qui est dans tête nous, dans l'étude semaine. Jeudi à ce dimanche 25 juin. Paul évangélise à Éphèse. C'est thème que nous allons développer ensemble jeudi. Qui ça Paul lui-même l'était fait lorsque il a visité Éphèse pour la première fois? Et qui ça l'était fait tout à la fin du deuxième voyage missionnaire qu'il était fait dans la ville ça, qui c'est Éphèse. Acte chapitre 18, verset 18 à 21, pour répondre avec question que nous posons. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sanché, car il avait fait un vœu, il arrivait à Éphèse. Et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Eh bien, on fait un petit parler de ville ça, qui c'est Éphèse. On essaye de présenter ville ça en peu de mots. Éphèse, c'était une des plus grandes villes dans l'Empire romain, avec une population qui était environ 250 000 habitants. C'était capitale de une des provinces qui était plus riche dans l'Empire romain, la province d'Asie, qui était couvrie une grande partie de ça que nous connaissons aujourd'hui hein, sous le nom d'Asie mineure. À l'époque de Paul, province ça, l'été connaît une période de croissance et de prospérité. En tant que ville portuaire, Éphèse était également au carrefour d'importantes routes terrestres. C'était une ville qui était de grande, grande importance. Alors que le peuple a adoré en pile divinité dans la ville. Ça. Surtout Artemis, qui était considérée comme étant la déesse protectrice de la ville. Il était suprême. C'est-à-dire, il était de grande importance. Déesse, ok, il était une divinité qu'on adorait, qui aurait Artemis, que tu considérais comme étant une déesse qui est là pour capable protéger les habitants de cette ville. Eh bien, culte était centré
qui te conflue te concentrer sur des cérémonies civiques et des jeux sportifs et des célébrations annuelles. Et je dis à ben, Artemis, il y aurait Lélie et Diane, surtout Roméo dans le temps, c'est non ça, il te confèle pour te. Et dans l'époque, Paul. Paul pourra retourner plus tard à Éphèse pour le troisième voyage missionnel. Et Paul pourra arrêter fois ça pendant 3 années. L'apôtre Paul te consacré de manière significative à Éphèse. Il te consacré tant à Éphèse, avec l'intention pour te fonder fermement, ça nous est le christianisme, la religion du Christ. Mais qu'on a là, nous allons regarder quel événement étrange qui te conduit à une révérence généralisée pour le Seigneur. Nous allons regarder qui ça qui t'est passé en dedans de ça. Mais qui pourrait la cause pour avoir une révérence qui pourrait généraliser, une révérence pour le Seigneur qui pourrait généraliser ou bien qui pourrait toucher tout le monde. On va aller dans Acte chapitre 19, dans verset 13 pour nous capables de revenir dans verset 20. Nous allons aller qui passé. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux. Et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Histoire, ça, c'est une belle histoire. C'est ça que fait, yon moun l'op pas connu Jésus, pas prenant Jésus en vain. Parce que même ennemi, il est capable d'avéler. Et bien, nous, Luc, il racontait une histoire étrange de sept exorcistes juifs ambulants dans la ville. Il parlait des exorcistes. Ce sont des gens qui pratiquent des pratiques, qui conseillent des pratiques qui ont un rapport surtout avec la magie. Et qui prétendent que yo ka retirer des démons sur le monde. Mais qu'est-ce qui passait? Nous, yo pas connaissent Jésus, mais yo invoquent non Jésus, yo invoquent non de Paul. Dans ça que yo a fait. Mais nous, qu'est-ce qui va passer ensemble avec eux? Lorsque vous mettez non Jésus avec non Paul, dans cause yo a nous pas louer mauvais esprit à le faire comprendre il connaît qui est ce qui Jésus a il connaît qui est ce qui Paul mais il pas connaît monsieur ça ça veut dire il pas connaît comme étant serviteur de Dieu et bien nous voyons qui ça qui va arriver ensemble avec monsieur mauvais esprit à le prendre possession de yo il va le battre il va le maltraiter yo monsieur est sorti blessé et monsieur est sorti nu dans espace côté et nous voyons crainte pral emparer l'autre moun yo qui t'a suivi action ça et yo même yo pral glorifier non bon Dieu. Eh bien l'événement ça li gagne tout un impact profond sur certains de ceux qui étaient déjà devenus croyants. Eh bien moun ça qui était déjà croyant lorsque yo wè qui sa mauvais esprit a fait ensemble avec monsieur ça qui pas connaît Jésus et qui a cité non Jésus dans ça qui a fait. Eh bien, lorsque vous regardez qui ça qui passe, témoignage que des mots en pour Jésus, eh bien, même vous qui êtes déjà croyant, mais qui avez quelques livres magiques, eh bien, la caillou qui ça vous fait, des livres qui ont de grande valeur à cette époque, qui coûtaient un pile d'argent, eh bien, vous prenez, vous brûlez. Eh bien, ensemble, avec le plus grand nombre des habitants de la ville, les croyants apprirent que l'adoration de Jésus, il pas gain droit mélanger avec rien quel que soit ça qu'il était capable. Soit servir Jésus, mais soit pas servir Jésus tout,
eh bien, pas servir Jésus. Eh bien, réflexion que nous gagnons ensemble pour aujourd'hui, à qui ça dit, quelle était la signification du fait de brûler le livre d'une telle valeur pour ses croyants? Quelle signification ça avait gagné le fait que vous brûlez le livre qui gagne des grandes valeurs pour eux-mêmes? Ça veut dire qu'on ne trouve pas rien qui est plus important que Jésus. Soit accepter Jésus, eh bien, puissance qui est dans Jésus a les plus forts que toute l'autre puissance. C'est-à-dire, on pas raison pour partager avec rien de magique la caillou. Et que nous dit cela sur l'enseignement total envers le Seigneur? Ça a montré que moun sa yo, yo te converti tout bon. Moun sa yo, yo te baye vie yo complètement ensemble avec Jésus. Oui, ensemble avec vous, qui dit n'a servi bon Dieu. Eh bien, on nous fait même ensemble avec Ephésiens yo, qui te accepté Jésus. Eh bien, tout ça yo te gagné, la caille yo, tout livre yo te gagné, qui c'est livre magique. Peut-être que tu as dit, yo pas t'a servi avec l'on comme yo t'a vendu pour tirer l'argent, mais nous, c'est pas ça. Parce que si yo vendu livre là, pratique magique ça yo a continué pour manger. Mais en tant que croyant qui fidèle, en tant que serviteur bon Dieu qui fidèle, c'est vrai bon Dieu qui fidèle, yo prend ouvrage ça yo au lieu que yo vendre pour que pratique ça continue, eh ben yo brûler yo. Ça a montré vraiment Éphésiens yo, yo t'ai fait une conversion qui complète, une conversion qui était dans volonté bon Dieu. Eh bien songez, je dis à nous t'approuver ensemble Paul évangéliste à Éphèse. Eh bien, nous, ouais, eh bien, comment Paul t'a encouragé Ephésiens pour être capable de rester dans la volonté de bon Dieu. Et Paul, passé 3 ans ensemble avec eux, l'a enseigné pour être capable de vivre dans l'unité, pour considérer tête comme étant de vrais serviteurs de Dieu et pour être capable d'accomplir la volonté de Dieu ici-bas. Paul, évangéliste à Éphèse, c'était thème que nous avons ensemble pour jeûner jeudi, qui c'est dimanche 25 juin. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour parole. Aidez-nous, ô Dieu, afin que jour après jour, nous sommes capables de comprendre mieux la parole et puis mettre en application, afin que nous sommes capables de vivre suivant volonté. Merci parce que vous entendez nous, merci parce que vous exaucez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, amis, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.